Bonjour à tous et à toutes. Façonné de l'informatique, c'est DC So. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Eh bien, je vais vous apprendre comment changer le mot de passe d'un PC sans connaître le mot de passe initial. Eh bien, changer le mot de passe d'un PC sans connaître le mot de passe initial. Donc, pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez les vidéos. Et vous pouvez partager si possible. Donc, nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons commencer. Ce qu'il faut faire, tout d'abord, il faut aller sur la barre de recherche et taper CMD. Vous allez l'invite de commande. Il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Bon, je suppose qu'on va l'exécuter. L'exécuter en tant qu'administrateur. Donc, vous êtes sur l'invite de commande. Eh bien, vous êtes sur l'invite de commande. Donc, la commande qu'il faut taper, il faut taper d'abord NetUser administrateur, administrator. Donc, ça c'est que il y a des gens où c'est parce que où le machine c'est administrateur, mais moi c'est administrateur parce que le machine est en anglais, donc c'est administrateur. Alors, vous tapez entrée, vous allez taper entrée. Bon, je sais pas ici administrateur, donc c'est administrateur, administrateur, et je vais écrire entrée. Donc nous sommes là. Alors, on a dit le mot de passe, dernier changement, c'était là. Cela dit qu'on peut changer le mot de passe. Alors, le mot de passe expire jamais. Donc, le mot de passe expire jamais. Ouais, le mot de passe expire jamais. On a dit quoi? Le mot de passe exigé, oui. L'utilisateur peut changer le mot de passe, oui. Alors, on va voir comment changer le mot de passe sans connaître le mot de passe initial. Donc, on va écrire NetUser, toujours administrateur. Administrateur, après espace, vous allez mettre étoile et entrée. Alors, il vous demande ici, on vous demande ici, entrer un mot de passe pour l'utilisateur. Donc, vous choisissez le mot de passe que vous voulez faire. C'est pas la peine donc de connaître le mot de passe de l'utilisateur, mais vous choisissez votre propre mot de passe. Alors, moi, je préfère pas changer mot de passe. Donc, je vais juste taper un mot de passe. Mais dès que vous tapez, vous avez l'impression que rien ne s'affiche. Alors que ça s'affiche. Vous tapez entrée. Entrée à nouveau le mot de passe. Vous avez tapé et entrée. Il vous dit la commande s'est terminée correctement. Donc, pour changer de mot de passe, vous allez redémarrer l'ordinateur. Pour que les modifications soient acceptées, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc, mais moi, je parle de mon ordinateur pour le moment. Donc, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Donc, je vous laisse pour un prochain tuto. Merci et bye, au revoir.